Donc pour commencer, on va se présenter. Donc moi, je suis Dominique Muti du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, hôpitaux Confluence, Val-de-Marne et Essonne. Bonjour, je suis Clémence Fébraire, donc je suis la responsable de la documentation du GHT Nouveau qui comprend trois établissements, l'hôpital de Pontoise, le groupement hospitalier Carnel-Porte de l'Oise à Beaumont-sur-Oise, toujours dans le Val d'Oise, et le GIV, le groupement hospitalier inter-Vexin, Magny-en-Vexin, dans le Val d'Oise. Donc l'atelier que nous vous proposons en fait va se découper en deux parties. La première partie sur la lecture critique d'articles et puis la deuxième partie que Clémence vous proposera donc plus sur la bibliographie et la recherche documentaire. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi doit-on lire? Donc si vous avez assisté ce matin à toutes les interventions, je pense qu'on a une partie des réponses en tout cas. Donc pour mettre à jour ses connaissances, pour répondre à une problématique de soins individuels, mais aussi pour une pratique de soins collective, pour écrire un protocole de soins, pour faire un état de l'art sur une question ou pour apporter une justification scientifique à une recherche. Et c'est bien ce qu'on a vu ce matin. Pour en revenir notamment aux interventions qui ont lieu ce matin et qui sont tous revenues justement sur cette littérature, sur cette documentation, sur cet accès à l'information, à la documentation qu'il fallait avoir, on a parlé également de compétences. Donc moi, parmi toutes les compétences, j'aimerais en rajouter une qu'on ne cite pas souvent, c'est ce qu'on appelle la compétence informationnelle. Et en fait, la compétence informationnelle, elle part bien du début, du besoin, de la définition du besoin jusqu'à la sélection des sources, la lecture des articles et la lecture critique d'articles. Cette lecture critique d'articles, notamment, elle arrive dans un contexte où on a une littérature qui est très abondante, une information scientifique qui est très abondante et pour lequel il faut faire des choix, il faut trier qualitativement et quantitativement cette information. Donc quelques principes généraux justement sur cette lecture critique d'articles et puis tout d'abord du bon sens. Du bon sens parce que par rapport à toute cette masse d'informations, eh bien la question qu'il faut se poser c'est vraiment quel est mon besoin et quel article va répondre à mon besoin. Tiens, on peut se dire bien évidemment que l'on va sélectionner une publication qui est parue dans une revue scientifique, dans une revue à forte notoriété, à fort impact facteur, et on sait forcément que cette publication sera de qualité, en tout cas on peut l'espérer, cette publication sera de qualité si on prend le New England, le Lancet, le JAMA, etc. Alors certes ce sera une publication de qualité, mais va-t-elle répondre à notre question? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand une publication est adressée à une revue, en fait, elle est lue, elle est reviewée par des experts et par un comité de lecture. Et donc, ce comité de lecture va faire une ou deux lectures et puis va donner son avis, va émettre un avis pour que la publication soit publiée ou non dans l'article, dans la revue scientifique. Et on peut estimer à environ 6% le nombre de revues qui vont être publiées par rapport au nombre de revues qui sont soumises. Donc effectivement, toutes ces revues sont de qualité, mais toujours en tout cas se poser la question par rapport à nous, notre besoin. La lecture critique d'articles, c'est quelque chose qui est chronophage. Donc il faut se limiter justement, et le mot-clé en fait c'est l'utilité clinique. Une étude n'a aucun intérêt pour vous si l'innovation proposée n'est pas applicable dans votre pratique personnelle. Alors, ces différentes revues scientifiques en fait, intègrent plusieurs types d'articles, de publications. Nous allons trouver les éditoriaux, qui sont plutôt des avis d'experts, qui sont d'ailleurs souvent demandés par justement les comités éditoriaux. Des lettres à la rédaction, qui peuvent être des cas cliniques brefs, ou bien des réponses d'auteurs à d'autres articles qui ont été publiés pour lesquels ils veulent apporter un commentaire. Cela peut être des cas cliniques, donc une observation brièvement rapportée, ou bien nous pouvons trouver des revues générales, des mises au point, des articles didactiques, où là l'auteur ou les auteurs font un point à partir de la littérature sur un thème particulier
éventuellement en apportant leur expérience. Et puis la forme la plus importante est l'article original, et c'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui. En termes de valeur de preuve, la méta-analyse arrive au-dessus, puisque la méta-analyse, c'est vraiment une combinaison de plusieurs essais cliniques, de l'analyse de statistiques qui émanent de plusieurs travaux de recherche. On va le voir tout à l'heure. Donc, un article original, c'est quoi? C'est un rapport d'étude qui, lorsque l'auteur l'envoie, fait une vingtaine de pages d'actylographie à peu près, qui est concis, qui est rigoureux, qui est très précis et qui est utilisé avec un langage accessible aux non-spécialistes. La réplication de l'étude est possible par le lecteur, par d'autres centres. Ça, c'est un des éléments très importants. Et puis, il a une organisation très spécifique, une structure très spécifique que l'on va voir. Comme je vous l'ai dit, en fait, la caractéristique principale d'un article original, c'est d'être publié dans une revue scientifique et d'être reviewé par un, deux, souvent quelquefois trois auteurs et par un comité éditorial. Les résultats qui sont proposés dans ces travaux de recherche, en fait, n'ont jamais été publiés. Les auteurs, parfois, publient des résultats préliminaires dans des congrès, mais en tout cas, les résultats définitifs, lorsqu'ils sont soumis à une revue, n'ont jamais été publiés. Donc, un article original, en fait, a toujours cette structure. Introduction, méthode, ou matériel et méthode, résultat, discussion. IMRD ou IMRAD ou IMRED. Chaque section comporte un nombre de renseignements et uniquement ces renseignements, dont les sections peuvent se lire de manière autonome, mais bien évidemment, elles sont cohérentes entre elles. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de surprise, ce n'est pas un roman, mais c'est clair, précis, rigoureux. Alors, une petite technique en fait de lecture rapide avant de se lancer dans une lecture active, dynamique, qui va être excessivement chronophage. Donc, sachez tout de suite si l'article va vous intéresser et puis si, encore une fois, il répond à votre question. Donc, trouvez rapidement les points essentiels qui vont permettre de déterminer sa valeur scientifique et l'intérêt des résultats. Le premier élément, c'est bien évidemment le titre. Alors, le titre, on peut le lire brièvement, mais en tout cas, en se posant un petit peu, on va s'apercevoir qu'il intègre tous les concepts et tous les éléments sont dans le titre. On va voir l'objectif, on va voir le schéma de l'étude et la population étudiée. Le deuxième élément, c'est le résumé. Le résumé va être strictement fidèle à l'article. Il va reprendre la structure IMRD. Et donc, à chaque étape, en fait, de ces éléments, n'hésitez pas à stopper la lecture en fait, si vous rendez compte que l'article ne répond pas à votre besoin, ou à l'inverse, vous continuez et vous faites une lecture détaillée si l'article présente un intérêt. Nous allons regarder la première page. La première page va nous apporter des informations extrêmement importantes. Le titre, on l'a vu, les auteurs, avec les affiliations exactes des auteurs. Et puis, on va voir effectivement, même par rapport aux affiliations, si l'étude a été effectuée dans un centre ou dans plusieurs centres. Les dates, la date de publication, mais parfois également les dates de soumission ou de réception de l'article au niveau de la revue scientifique. Le journal, le résumé, les mots-clés qui peuvent être utilisés après, comme Clémence va vous le montrer, dans une recherche documentaire. Et puis, il est toujours intéressant de voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, de voir les déclarations d'intérêt, voir si l'étude n'a pas été financée, en tout cas, par des organismes ou des laboratoires. Donc, cette première page, qu'on appelle la page de garde, dans laquelle on va aller regarder les quatre coins. Alors, ce n'est pas forcément dans les quatre coins, mais en tout cas, on a bien toutes les informations qui vont nous permettre, dans une première lecture diagonale, de décrypter donc, l'article. Tout en haut, on va avoir la revue, Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
C'est un article original, on a le titre, on a les auteurs, on a les affiliations, on a bien l'abstract qui reprend le plan de l'article. De l'autre côté, vous voyez, on a toutes les dates. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'article va être reviewé par des experts. Et entre le moment où il va être reçu par la revue scientifique et le moment où il va être accepté et publié, en fait, vous voyez que là, il a été reçu le 14 février 2018 et en fait, il a été publié en 2019, numéro 6, probablement le mois de juin. Donc, en fait, il y a des allers-retours qui se produisent et puis les reviewers vont apporter des commentaires, autant sur le fond que sur la forme, et l'auteur va améliorer, en tout cas, corriger par rapport aux commentaires des experts. Donc on a les mots-clés, et puis tout en bas, on a même le contact de l'auteur, si il nous paraît important de le contacter. La première partie est donc l'introduction. L'introduction, elle fixe brièvement le contexte général du problème étudié. En fait, elle présente une synthèse de la connaissance, donc elle s'appuie bien sur la littérature scientifique, la connaissance actuelle, qui est utile pour comprendre l'intérêt et l'importance de la question posée par les auteurs. Et ce qui est important, c'est que le dernier paragraphe formule toujours l'objectif de l'étude. Il est clair et concret. Donc, ce qui est intéressant pour faire une lecture critique d'article, c'est de voir à quoi correspondent les différentes parties et puis de se poser des questions, d'avoir une grille de lecture ou tout au moins des questions par rapport à chaque partie. Donc, je vous en ai mis quelques-unes. Après, vous pouvez bien évidemment vous en poser d'autres. Mais en tout cas, on peut se poser comme question quels sont les éléments justifiant l'importance de l'étude ? Quelle est la facette du problème qui a fait l'objet de l'étude ? Quelles sont les lacunes dans les connaissances actuelles ? Quelles sont les études sur lesquelles les auteurs se sont basés pour établir la littérature et la recherche documentaire ? Quelles sont les études qui ont essayé de combler ces lacunes ? Et puis, quelles sont leurs limites ? Et puis, la dernière question, c'est bien cerner la question, l'hypothèse proposée par l'auteur, et qui doit être donc la dernière phrase de l'introduction. Donc, un exemple encore d'un article scientifique donc, qui est paru dans les Annales françaises de médecine d'urgence de 2016, avec donc toujours le titre. Donc là, je vous ai proposé l'introduction, et puis on voit bien que la dernière phrase de l'introduction, l'objectif de notre étude était d'évaluer la typologie des patients qui ont bénéficié de la consultation post-urgence de pneumologie de l'hôpital de Nantes et d'en discuter l'intérêt et son bénéfice. Donc en fait, les objectifs d'un article scientifique sont au nombre de trois. On va retrouver décrire, comprendre et évaluer. Et pour chaque objectif, en fait, on va avoir une question, un type d'étude et un schéma. Donc décrire va nous poser la question quel est l'état de la population. On va utiliser en type d'étude une étude descriptive et en schéma une étude transversale à un moment donné ou une étude longitudinale qui va être sur un temps plus long. Un autre objectif est de comprendre donc, la question « quels sont les déterminants de santé ?» C'est une étude explicative et puis le schéma va être une étude exposée, non exposée ou bien une étude cas témoin. Le dernier objectif, évaluer, comme on l'a vu précédemment dans l'article cité en exemple, les interventions proposées sont-elles efficaces ? Donc on va utiliser une étude interventionnelle et puis en schéma, en design comme on dit en anglais, un essai contrôlé, randomisé. Donc tous ces schémas, en fait, ces études ont un niveau scientifique différent, un niveau de preuve et une gradation qui est établie en fonction des schémas. Donc nous avons tout à l'heure un essai randomisé, en fait, qui se situe plutôt au niveau 2 avec une gradation B.
Tout à l'heure, je vous parlais des méta-analyses. En fait, les méta-analyses, ce sont de la littérature de synthèse, en fait. On fait une analyse statistique de différentes essais cliniques, de différentes études. Et en fait, ces méta-analyses vont nous permettre de faire des recommandations au niveau de la HAS ou des recommandations au niveau des sociétés savantes. Donc, elles sont vraiment au niveau de preuves scientifiques établies niveau A. Donc, ce qu'on va bien évidemment privilégier, c'est en premier la lecture de revues et d'articles qui sont en niveau A, puis B, puis C. La deuxième partie est la partie méthode. Donc, la partie méthode, c'est l'exact reflet du protocole de recherche. Pas de résultat, pas de commentaires. Elle se divise en général en quatre parties. Nous avons le schéma d'études exact, la sélection de la population, la mesure des variables et l'analyse des données. Cette partie méthode, en fait, elle permet de vérifier la rigueur scientifique. Alors, vérifier à deux niveaux. Au niveau de la validité interne, c'est-à-dire repérer les limites méthodologiques et éventuellement voir s'il y avait des biais au niveau de la méthodologie, au niveau de l'analyse. Et puis la validité externe, c'est-à-dire, et c'est bien là l'intérêt pour vous, pour votre centre, c'est de connaître l'applicabilité des résultats dans un autre centre. On va passer donc aux questions, les questions que l'on peut se poser. Quelle est la structure générale de l'étude? Donc là, c'est bien toujours le schéma de l'étude. Quels sont les éléments de contexte nécessaires pour comprendre les méthodes? Quels sont les sujets de l'étude? Est-ce que les critères d'inclusion sont bien définis, d'exclusion des sujets, des sites également? Quelles sont les variables? Et puis, comment les données ont-elles été recueillies? Quelles ont été les modalités pratiques de mesure? Quel a été le codage, le contrôle de la qualité, les saisies? Et comment les données ont-elles été analysées? Quelles ont été les méthodes statistiques utilisées? La troisième partie concerne donc les résultats, tous les résultats et rien que les résultats. Donc dans cette partie, il n'y a pas de description de méthode, c'était avant, et il n'y a aucune interprétation des résultats, ce sera la partie suivante. Donc c'est le texte qui est organisé, qui peut être complété par des tableaux. Les tableaux vont être autonomes et indépendants. En fait, on peut lire les tableaux sans avoir à lire le texte. Et puis de figures. Donc on va décrire la population étudiée, répondre à la question principale, répondre éventuellement aux questions secondaires et analyser les sous-groupes. Donc toujours se poser des questions par rapport à toutes les parties, en tout cas la partie résultat. Quels sont les effectifs de la population effectivement étudiée? Les sujets éligibles, les sujets inclus, ceux qui ont été exclus, ceux qui ont été analysés, éventuellement faire un diagramme de flux pour voir tout cela. Quelles sont les caractéristiques des sujets effectivement étudiés? Quelle est la réponse à la question principale? Et quels sont les résultats des analyses secondaires? La dernière partie est la partie discussion. Donc la partie discussion, c'est là où l'auteur va commenter, interpréter les résultats. Et en fait, le premier des éléments qu'il va apporter, il va dire si l'objectif a été atteint. Et en fait, cette première phrase de la discussion va répondre à la dernière phrase de l'introduction, à l'objet posé, à la question posée. C'est vraiment la phrase clé. L'auteur, il va bien évidemment porter un jugement sur son travail, sur ce qu'il a fait. Il va avoir un esprit critique par rapport à son étude. Il va mettre en perspective et dégager les implications et encore une fois, comparer les résultats avec ceux de la littérature. Donc c'est toujours important que l'auteur se base sur une littérature exhaustive, pratiquement en tout cas, qui frôle l'exhaustivité pour son sujet de recherche. Et puis, il va donner une conclusion en adéquation avec les résultats de l'étude, l'analyse critique et l'état des connaissances. Et donc, c'est bien dans la discussion qu'il va
conclure et qu'il va proposer l'interprétation des résultats par les auteurs. Donc, les questions que l'on peut se poser au niveau de cette partie sont: quels sont les faits marquants résumant les résultats? Est-ce qu'il a bien répondu à la question principale? Quelles sont les limites méthodologiques de l'étude? Est-ce qu'il y a eu un problème de sélection, de mesure, de comparabilité, de puissance? Est-ce que la masse critique a été suffisamment importante? Quel est le degré de généralisation des résultats? La représentativité des sujets étudiés et la variation au sein des sous-groupes. Et comment les résultats se comparent-ils aux connaissances actuelles? Ça, c'est extrêmement important, voir les relations, les révélations de faits nouveaux, les contradictions, et voir si on fait avancer les choses par rapport justement à ce contexte de recherche, à ce contexte d'innovation. Quelles sont les implications de l'étude pour la recherche, pour la pratique et pour la santé publique? Donc, c'est bien, effectivement, ce dernier élément qui est le plus important, c'est-à-dire que l'étude, selon la méthode qui a été utilisée, elle doit pouvoir être réapplicable et pouvoir être utilisée dans d'autres centres et apporter ainsi sa contribution et être innovante, en tout cas pour la pratique clinique. Donc, un dernier point au niveau des références, et ça va me permettre de faire la transition avec la partie recherche documentaire, bibliographie que Clémence va vous présenter, qui est importante également parce qu'elle montre aussi le sérieux et l'exhaustivité éventuellement de la bibliographie qui a été faite sur le sujet. Comporte-t-elle des résultats, des documents récents? Ça, c'est important. Comment les documents ont-ils été sélectionnés et quels sont les documents qui sont proposés? Dans quelles revues? Il est important de voir aussi les revues scientifiques qui ont été utilisées pour aller rechercher cette littérature scientifique. Et puis, chaque référence comporte-t-elle tous les éléments nécessaires à l'identification du document selon les standards nationaux et notamment selon les normes bibliographiques utiliser notamment la norme Vancouver pour tout ce qui est littérature médicale et scientifique. Voilà. Pour aller plus loin, je vous ai mis deux références de documents sur la lecture critique d'articles. Donc, simplement, je reviens sur cette lecture critique d'article et soyez conscients qu'une lecture critique d'article, c'est facile, ça demande simplement un peu d'entraînement et comme ça a été dit effectivement dans les interventions en début de journée, c'est que plus vous allez lire, plus vous allez vous approprier ces méthodes de lecture, mais que ça reste quand même un exercice très chronophage et qu'il faut savoir vous limiter et faire une première lecture rapide d'articles pour voir si vraiment le document est pertinent et si c'est le cas, appliquer toute une méthodologie pour vérifier la qualité et en tout cas voir si l'article est vraiment adapté à votre besoin, à votre question. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne passe la parole à Clémence? On pourra revenir après si vous voulez. S'il y a des questions qui vous viennent au cours de la présentation de Clémence, on pourra revenir en fin de séance, il n'y a pas de souci. Vous les gardez pour la fin et vous me les soumettez. Juste tout à l'heure, vous avez parlé du 6%. Oui. Alors, en fait, ça, c'est propre au JAMA. Il y a une étude qui a été faite et 6% simplement des documents, des épreuves, des rapports reçus au JAMA sont publiés. Le reste sont refusés. 6% des papiers soumis à JAMA sont acceptés. Okay. Mais c'est JAMA. En tout cas, il y a quand même une sélection, même pour les revues. Après, ça dépend effectivement des revues à fort impact factor, de la notoriété des revues. Oui. Donc, on va commencer avec la bibliographie, qui pour moi veut dire tout à fait autre chose.
Mais je vous rassure, avec les organisateurs, en fait, on a un jargon différent, mais on est au clair. Donc, l'intitulé, c'était bibliographie. Pour moi, c'est recherche documentaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des points que vous ne comprenez pas, interrompez-moi, il n'y a aucun problème. Juste une petite chose, étant donné que je ne connais pas votre niveau, on va partir du début, si ça ne vous dérange pas. Et après, on va voir toute la méthodologie et après on verra les différentes bases de données. Et avec Dominique, on en a choisi deux. Donc, on a des petites contraintes informatiques. Donc, il n'y aura pas de présentation en direct. J'ai fait des captures d'écran, mais normalement, tout devrait bien se passer. Donc, on va aborder la méthodologie de la recherche, cerner son sujet, les mots-clés, les équations de recherche. Pour débuter, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a trois méthodes pour cerner son sujet. La première, le 3QOCP, le qui, quoi, quand, comment, pourquoi. En gros, le qui, ce sera la population visée. Donc, si vous êtes en pédiatrie, ce sera les enfants, les adolescents, les bébés. Le où, ça peut être le service dans lequel vous exercez. Le pourquoi, bah, c'est votre sujet d'interrogation. Il faut essayer de transposer. C'est une méthode qu'on apprend normalement au collège, mais qui peut vous servir même lors d'une thèse pour arriver à définir votre contexte de recherche et vos mots-clés. La deuxième méthode, le brainstorming, ça marche très bien quand on est en équipe. Donc tout le monde dit ce qui lui passe par la tête et du coup, ça vous donne potentiellement plein de mots-clés, plein de concepts pour interroger les bases de données. La dernière méthode, ça va être la carte mentale. Donc, la carte mentale, ici, j'en ai mis une très, très jolie. Elle peut être beaucoup plus simple avec un concept clé qui va se placer au milieu et après, plein d'arborescences pour les différents sous-concepts, etc., etc. Pareil, c'est une méthode qui peut aller de la maternelle jusqu'à l'infini et au-delà. On peut parler de Noël avec des cadeaux, le sapin et autres. Et on peut parler de la drépanocytose. C'est l'exemple que j'ai choisi pour mes recherches. Donc, ça vous permet, en gros, de synthétiser et de voir, d'appréhender et de définir vos mots-clés. Au niveau des mots-clés, alors, ce qui est important, c'est de trouver le bon mot-clé, le mot pertinent. C'est pas toujours évident. Parfois, vous êtes un peu frustré parce que vous pensez que le mot que vous avez trouvé, il est exactement, c'est exactement le concept que vous voulez aborder, mais manque de peau dans la base de données que vous interrogez, il n'y a rien du tout. Donc, n'hésitez pas à déjà vérifier l'orthographe. Ça peut paraître bête, mais parfois, on peut faire des fautes. Et dans une base de données, c'est pas comme dans Google. Si vous faites une faute d'orthographe, il ne vous dira pas « essayez plutôt l'orthographe ». Il va vous dire « il n'y a rien du tout ». Pensez aussi à vérifier le sens des mots. À cette étape de la recherche, le dictionnaire est votre meilleur ami. Parfois, on a une idée pour un mot et en fait, ça ne veut pas du tout dire ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser un dictionnaire. Utilisez aussi des termes précis qui ne soient pas équivoques. Et n'hésitez pas à élargir la recherche aux synonymes. Moi, par exemple, pour l'exemple de recherche d'aujourd'hui, la drépanocytose, on peut aussi aller voir très drépanocytaire, je vais finir par arriver à le dire, qui peut être aussi un autre mot-clé et qui peut vous permettre d'élargir la recherche. Pensez aussi aux acronymes. La salle de réveil, par exemple, on peut dire que c'est une SSPI ou une salle de soins post-interventionnels. Et selon la base de données que vous allez interroger, ce sera peut-être SSPI ou salle de réveil. Voilà, donc n'hésitez pas et élargissez. Ne vous limitez pas aussi au masculin et au singulier. Vous êtes dans une profession, les infirmiers. Alors, je sais qu'il n'y a pas que des infirmiers, mais il y a aussi des infirmières. Et il faut être réaliste. Dans la plupart des articles, on voit toujours marqué « infirmière ». Donc, si vous mettez qu'infirmier, vous risquez de passer à côté de certaines choses. C'est pareil, l'exemple des soins palliatifs, en général, c'est au pluriel. Donc, si vous interrogez au singulier, vous n'aurez pas grand-chose. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que des gens comme moi, des documentalistes, vont mettre des mots-clés pour définir des articles. En gros, avec 5, 6, 7 mots-clés, vous arriverez à aborder le concept de l'article dans sa globalité. Donc, ça peut être du langage libre, comme vous et moi, on parle tous les jours. Ça marche très bien avec Google. Dans les bases de données, si vous utilisez le thésaurus,
donc un vocabulaire contrôlé, vous aurez plus de résultats. En gros, si vous utilisez les mêmes mots-clés que moi, vous aurez des résultats pertinents et ça vous permettra de diminuer le bruit. Alors en doc, on n'aime pas ni le bruit ni le silence. Le silence, c'est quand on n'a rien, c'est qu'on a été trop précis, qu'on n'a pas utilisé les bons mots-clés, que notre équation de recherche n'est pas bonne. Et le bruit, c'est l'inverse, on a été trop large et du coup, on a 1 million de résultats. Dans Google, quand on a 1 million de résultats, on est content. Sur une base de données, quand on dépasse les 20, 25, 30, 50, 100 articles, c'est trop de travail de trier, donc on essaye de limiter. Et plus votre équation de recherche est pertinente, plus vos mots-clés sont pertinents et meilleurs seront les résultats. Donc, le thésaurus, les mots utilisés par les documentalistes pour indexer les notices. Les articles, pardon. Je vous ai mis 2 exemples. L'exemple du thésaurus de la BDSP, une super base de données qui nous a quitté il y a peu. On reviendra dessus tout à l'heure. Et les mots-clés MESH que vous verrez dans PubMed. Alors, les équations de recherche. Ça peut paraître très simple. Ça l'est en soi. Il faut juste savoir de quoi on parle. Donc, vous avez les fameux booléens, les petits mots qui ont un nom un peu tordu, mais qui sont très simples. Vous avez le « et », vous avez le « ou » et vous avez le « sauf ». Ça va vous permettre de hiérarchiser entre vos mots-clés. Le « et » va vous permettre de restreindre la recherche. Je vois des sourcils qui se froncent. Oui, du coup, je vais prendre un exemple très concret. Vous avez déjà tous été sur un site marchand. Je suis désolée pour ces messieurs, j'utilise toujours l'exemple des jupes, mais ce n'est pas grave, j'ai souvent un public féminin. Sur un site marchand, vous voulez une jupe. Vous voulez qu'elle soit en noir et vous voulez qu'elle soit en 38. Ben, tout ça, c'est une équation de recherche et vous avez mis du « et » partout. Donc, la jupe noire et en 38. Le « ou » va vous permettre d'élargir. On part toujours sur notre histoire de jupe et puis du noir. Si on dit qu'on veut une jupe ou noire, on aura des jupes violettes, vertes, bleues et des chemisiers noirs, des pantalons noirs, des vestes noires. Ça élargit. Si on revient un peu au domaine de la santé, vous travaillez en pédiatrie, vous voulez faire une recherche sur le public de la pédiatrie, du coup, vous direz que vous voulez des enfants ou des adolescents ou des nouveau-nés ou des nourrissons. Voilà, ça vous fait toute votre population. Le « sauf » va exclure. Je veux une jupe, mais je ne veux pas qu'elle soit noire. Jupe, sauf, noire, du coup, vous aurez des jupes bleues, violettes, vertes, etc., etc. Jusqu'ici, tout va bien ? C'est plus clair avec les jupes, bizarrement. On va passer à un petit peu de ponctuation. Donc, on va utiliser les guillemets pour des expressions exactes. On interroge une base de données en santé. Qu'elle soit paramédicale, médicale, on s'en fiche, une base en santé. Imaginez si vous écrivez « soins palliatifs ». La base de données va se dire, elle veut faire une recherche sur les soins et sur le palliatif. D'après vous, combien il y a de résultats sur une base de données en santé où il y a le mot « soin » ? Ça fait du bruit. Voilà. Donc du coup, pour tout ce qui est expression exacte, donc soins palliatifs, soins à domicile, maladie d'Alzheimer, etc., etc., on mettra les guillemets comme ça, ça n'interroge que sur cette expression exactement. Ça marche aussi dans Google. Si vous faites des recherches sur vous, vous essayez votre nom avec ou sans les guillemets, et vous verrez qu'avec les guillemets, les résultats sont plus pertinents. Ensuite, on va avoir les parenthèses. Alors, les parenthèses, c'est mon côté littéraire là, du coup, me fait un peu défaut. Quand on est plus de filière scientifique, on comprend mieux. Vous rappelez X, Y, tout ça quand vous étiez jeune, et ben là, c'est à peu près le même principe. Vous avez votre premier mot-clé, X, le deuxième, Y, et non, faut que j'arrête avec les maths, je suis nulle. En gros, vous avez les soins palliatifs. On veut les soins palliatifs chez les enfants. Je suis désolée, c'est un exemple glauque. Ou les adolescents. Si je ne mets pas les parenthèses, du coup, le soin palliatif ne s'appliquera qu'à enfants. À partir du moment où je mets les parenthèses entre enfants et adolescents, le soin palliatif s'applique à enfants et adolescents. Ça hiérarchise les mots-clés entre eux. Et le petit dernier, que j'aime bien, que j'utilise beaucoup. Ça vous permet d'élargir la recherche, mais aussi, moi je suis un peu feignante, ça me permet de moins taper, parce que toutes les secondes sont précieuses. Du coup, vous écrivez, l'exemple le plus simple et celui le plus parlant, c'est avec pharmaco. Pharmaco
et la petite étoile de la troncature va vous permettre d'interroger tous les mots qui commencent par pharmaco. Pharmacocinétique, pharmacodynamique, pharmacodépendance, pharmacorésistance, etc., etc. Du coup, ça élargit la recherche. Et ça vous permet de faire une recherche pour plusieurs termes. Infirmier, infirmière. Infirmier et petite étoile, on a tout comme ça. Pardon, vous voulez que je la remette ? Elle sera disponible sur le site. Vous pourrez la télécharger et l'afficher dans votre chambre si vous voulez. On va faire on va avoir une petite sélection de bases de données. Ce n'est pas exhaustif. Je vous en ai mis plein d'autres si vous cliquez sur le lien, quand vous serez chez vous tranquillement. Donc, je ne prêche pas pour ma paroisse, je prêche pour mon métier. Donc, je suis certaine que là où vous travaillez, vous avez forcément un ou une charmante documentaliste qui est prêt à vous aider dans vos recherches, vous aider pour la méthodologie, vous trouver des articles et autres. Donc, ne négligez pas et allez le voir, je suis sûre qu'il sera content et en plus, je suis sûre qu'il est génial. Et donc, s'il y a une documentaliste, normalement, ça veut dire qu'il y a une base de données et peut-être que cette base de données, elle est interrogeable de chez vous ou sur site. Alors là, du coup, je vous ai mis un exemple. C'est ma base de données à moi toute seule. Donc, c'est la base de données du Centre de ressources documentaires du GHT Nouveau. Vous avez un portail documentaire où vous allez avoir plein de choses, mais surtout une base de données que vous pouvez interroger. Donc, on est fiers hein, quand même, il y a plus de 20 000 références dans notre base de données. Notre base de données est en consultation gratuite. Elle traite de la santé et de l'hospitalier. Le texte intégral est disponible selon les abonnements. En gros, si vous travaillez là où je travaille, vous aurez accès à tout. Il y a différents types de documents. Donc, je vous le disais, plus de 20 000 notices. Il y a quand même, pour un petit GHT comme le nôtre, plus de 900 revues et 800 livres électroniques. Et on a tous les EMC, donc les encyclopédies médico-chirurgicales, je vais arriver à le dire. Donc, c'est plutôt pas mal et la plupart de nos ressources sont disponibles en accès distant. Donc, tout ça, peut-être que vous l'avez aussi sans le savoir. Et j'en suis certaine. J'ai encore eu le cas cette semaine, une demoiselle qui est venue me voir, qui est dans l'établissement depuis un temps certain et qui ne savait pas qu'on existait. Donc, renseignez-vous, cette personne peut potentiellement vous aider pour vos recherches. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, elle a un thésaurus, mais avant d'être un thésaurus, la BDSP, c'était une base de données. Elle a cessé d'être alimentée en fin 2018. Depuis, elle est toujours interrogeable, mais pas mise à jour. Bien sûr, quand on interroge une base de données, on n'en interroge pas qu'une, on en interroge deux, trois, quatre, cinq, pour être totalement exhaustif. Là, vous avez à peu près plus de 520 000 références qui s'arrêtent à décembre 2018. La consultation est libre. Le domaine traité, c'est la santé et l'hospitalier. Vous avez certaines ressources qui sont en texte intégral, très peu. C'est des ressources en open access ou des rapports et autres. Et vous avez plein de types de documents. Ensuite, nous avons la base de données de mes collègues de la PHP qui s'appelle DelphoDoc. Cette base de données, elle est en consultation gratuite, paramédicale et hospitalier. Le texte intégral, c'est selon les abonnements et il y a un petit peu de gratuit. Vous avez tout type de documents, ce qui est plutôt pas mal aussi sur DelphoDoc, c'est qu'en plus des livres, des articles et tout le reste, ils rentrent aussi dans leur base de données des chapitres de livres, donc du coup, ce qui permet d'être assez exhaustif, et il y a plus de 100 000 références. Jusqu'ici, tout va bien ? Oui ? On passe à Santé Psy. Donc, comme son nom l'indique, c'est de la psychiatrie. Vous retrouverez dessus tout ce qui est paramédical, mais aussi un petit peu d'hospitalier et beaucoup de psychiatrie. Si vous faites une recherche en psychiatrie, je vous la conseille vivement. Donc, elle est faite par le réseau AscoDocPsy, un réseau de documentalistes. Je vous encourage également à aller sur leur site. Vous trouverez des bibliographies déjà toutes faites. Vous trouverez de la veille sur des textes réglementaires et plein d'autres choses qui pourront vous aider.
Cette base de données est en consultation gratuite. Le domaine paramédical et psychiatrie, texte intégral pour certaines ressources, différents types de documents et 190 000 références, ce qui est plutôt pas mal. Donc nous avons LISA. LISA, c'est littérature scientifique en santé. C'est une base de données française qui n'indexe que des articles, en français. C'est plutôt pas mal. Elle est faite par les... Je trouve pas le mes mots. CHU de Rouen. Merci. Le CHU de Rouen, qui produit également le SISMEF et plein d'autres ressources. Elle est pas très vieille. Elle a moins de 4 ans, je dirais. Et elle est très, très bien. Il y a plein d'avantages. On la verra tout à l'heure. Elle est en consultation gratuite. Donc, dessus, c'est des articles en santé, donc médical ou paramédical, en texte intégral pour quelques ressources. Sinon, après, c'est selon les abonnements de votre établissement. Donc, comme je vous le disais, uniquement des articles. Et par contre, il y a un peu plus d'1 200 000 références, ce qui est plutôt pas mal. Plus ça va, et plus ils indexent de revues, et plus il y a de contenu, et plus elle est performante. Elle est topissime. C'est un peu mon coup de cœur. Je pense que le tien aussi. Notre gros coup de cœur. LISA. Vous verrez tout à l'heure comment l'interroger. Il y a plein d'avantages aussi. Vous pouvez vous créer des alertes et autres. Elle est très, très bien. Après, vous avez le SISMEF. En gros, le SISMEF, donc ils font aussi LISA, ils font DocSISMEF, qui est une base de données, ils font ETOP, qui vous permet de convertir les mots-clés MESH du français à l'anglais. C'est, pour faire simple, un annuaire de sites, donc de ressources francophones gratuites et médicales et un peu paramédicales. Toutes les ressources, comme je vous le disais, sont gratuites et il y a tout type de documents. C'est un peu un incontournable, également fait par du coup le CHU de Rouen. On va parler un peu de sciences humaines et sociales. Donc, ce n'est pas vraiment une base de données, c'est plutôt une plateforme commerciale qui est devenue une base de données, mais c'est un peu un incontournable en sciences humaines. C'est Cairn. Donc, c'est la volonté de 4 maisons d'édition de se regrouper et de mettre en avant les articles, les ressources en sciences humaines et sociales. Vous aurez notamment dessus la très bonne revue Recherche en soins infirmiers de l'ARCI. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette fameuse revue Recherche en soins infirmiers, elle est gratuite, sauf embargo des 2 dernières années. En gros, tout ce qui a été paru depuis, je crois que c'est 2001 qui est disponible sur Cairn, jusqu'à, du coup là, 2017, est en accès gratuit, sans abonnement. Vous pouvez le consulter tranquillement de chez eux. Certainement, vous avez, via votre centre de doc de votre établissement, potentiellement un accès à Cairn, et vous pourrez avoir accès aux 2 dernières années. Mais sinon, à partir de 2017, enfin avant 2017, les articles seront gratuits. C'est un gros plus, parce que c'est une très bonne revue. Vous avez du texte intégral selon les abonnements, mais aussi beaucoup, comme je vous le disais pour Recherche en soins infirmiers, beaucoup d'open access que vous pouvez consulter, du coup, sans rien payer, gratuitement. Vous trouverez sur Cairn des articles et des ouvrages, et vous aurez plus de 140 000 articles et 9 000 ouvrages. Typiquement, moi, c'est une ressource que j'aime bien. On a l'abonnement sur mon GHT. C'est une ressource qui ne coûte pas très, très cher comparée à certains éditeurs. Il y a plein de contenus très intéressants. Elle propose aussi des accès distants. Donc, pour moi, c'est pareil, un incontournable pour la recherche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai fait le tour. J'ai l'impression d'avoir dit plus de choses la première fois. C'est pas grave. C'est la caméra. Oui, je suis stressée, j'aime pas. Alors, EM Premium. EM Premium, donc c'est Elsevier Masson, un mastodonte de l'édition. Donc, je vous en présente une, mais je pourrais vous en présenter 3, 4. Ils ont plein de plateformes, ils aiment bien ça. Donc, EM Premium, c'est des articles et des livres. C'est selon les abonnements.
Elsevier, donc l'éditeur, à EM Premium. Ils ont aussi Science Direct, ils ont EM Consult, ils ont Clinical Key et ils en ont plein d'autres. Donc ça, en fait, cette base de données commerciale n'est pas disponible à qui veut. Il faut payer pour l'avoir. Et le contenu, en fait, le texte intégral, dépend de l'abonnement que vous allez avoir sur votre établissement. Par exemple, moi, j'ai le pack nursing. Donc, j'ai 18 revues disponibles uniquement du contenu paramédical. Mais il y a aussi du médical. Donc, peut-être que vous, vous aurez du médical sur EM Premium. Moi, la partie médicale de cet éditeur-là est chez Clinical Key. Voilà, donc il faut arriver à jongler entre les plateformes. Ce n'est pas toujours très évident pour l'usager. Donc, si vous avez des questions, rapprochez-vous de votre documentaliste qui pourra vous apporter ses lumières. Juste deux petites choses sur EM Premium. Bon, il y a énormément de contenu, vous voyez, un peu plus d'un million. Mais surtout, il y a deux choses super intéressantes. Donc, vous avez la revue internationale francophone de recherche infirmière qui est disponible. Et vous avez aussi les EMC. Savoir et soins infirmiers. Merci, heureusement que tu es encore là. Savoir et soins infirmiers, du coup, qui est une excellente ressource. Les articles sont blindés. Vous avez aussi la possibilité de filtrer par formation continue, donc c'est par thématique. Et pour ceux qui travaillent en IFSI, vous avez aussi formation initiale, donc c'est classé par UE. Si jamais un jour vous donnez des cours pour une UE, vous pouvez vous référer à ça et vous aurez des ressources topissimes. Donc après, on a Cynal. Cynal, c'est pareil, c'est une base de données en evidence-based nursing, donc c'est du pointu. Ça référence des revues en sciences infirmières et paramédicales. L'inconvénient, c'est que c'est payant. Le deuxième inconvénient, c'est que ça ne référence que des revues anglo-saxonnes. Donc, vous aurez de très bonnes revues comme Recherche en soins infirmiers tout à l'heure ou Revue internationale francophone, machin, d'Elsevier qui ne seront pas dessus. Et vous avez aussi Krakenfeld, soins infirmiers, une revue suisse qui est très, très bien aussi, qui n'est pas disponible dessus. Ce n'est pas exhaustif parce que du coup, c'est qu'en anglais, l'interface est en anglais. Par contre, il y a 4 millions de références. Il y a pas mal de textes intégrales, il y a tout type de documents et elle est purement paramédicale, c'est son gros avantage. Voilà. J'ai pu faire cette capture d'écran grâce à une de mes collègues. Je n'ai pas accès, moi, à Cynal, donc du coup, je ne peux pas vous en parler plus que ça. Je sais juste que le thésaurus utilisé, c'est le même que celui de PubMed, donc c'est des mots mèches. Si vous voulez en savoir plus et que vous l'avez via votre institution, vous avez un tutoriel fait par l'ABIUS et un guide fait par l'Université de Montréal. Vous avez les liens dans la présentation. Et donc, le fameux PubMed. Donc, PubMed, il est en anglais. PubMed, il est un peu compliqué à interroger. Là, on va le survoler. Très sincèrement, je pense que je pourrais tenir 4 heures juste pour vous le présenter. On va déjà essayer de voir un petit peu. Donc, la consultation est gratuite. Ça, c'est un point super positif. Vous trouverez aussi du paramédical et du médical. Et contrairement à Cynal, il y a des revues françaises, enfin francophones, qui sont interrogeables dans PubMed. Froncez pas, vous aurez des rides. Vous avez Soins, par exemple, qui est dans PubMed, Recherche en soins infirmiers, qui est dans PubMed, la revue de l'infirmière, qui est en PubMed. Les autres, Oximag, Interbloc, etc., etc. Je ne suis pas certaine, mais au moins, vous avez un peu de contenu français. L'interrogation se fait en anglais avec les mots « mèche ». Vous avez beaucoup de textes intégrales en open access dans PubMed, ce qui est un plus que des articles. Et 30 millions de références. Donc, à côté, moi, avec mes 20 000, je suis petite joueuse. Comme je vous le disais, l'interrogation est plutôt complexe. Je vous ai mis deux très, très bons tutoriels, parce que là, on va vraiment survoler, faits par l'ABIUS. Donc, vous avez le niveau 1 et le niveau 2. Vous allez voir, c'est un peu costaud, mais après, une fois qu'on s'y est fait, c'est facile. Jusqu'ici, tout va bien? Oui. Donc, je vous ai fait une petite synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Là où il y a des croix, normalement, il y a des pouces pour dire que c'est trop bien. C'est pour la consultation gratuite. Donc, sur ce que je vous ai présenté, il n'y a que EM Premium et Cynal qui est en consultation payante.
Je vous ai mis également les thésaurus qui sont utilisés. Et comme vous le voyez, un thésaurus n'est pas propre à une base de données. Souvent, ils sont repris. Vous maîtrisez l'interrogation sur ma petite base de données à moi. Vous maîtrisez aussi, du coup, la BDSP et DelphoDoc. Et si vous maîtrisez LISA, les mots-clés de LISA, vous pourrez maîtriser aussi les mots-clés de PubMed. C'est les mêmes. Je suis comment niveau temps ? Encore 20 minutes. D'accord. Alors, du coup, on va interroger LISA. Si vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas, enfin, c'est des captures d'écran, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc, quand on fait une recherche sur une base de données, on passe toujours par la recherche avancée, parce qu'en plus de l'équation avec les parenthèses et tout ça, sinon on est obligé de mettre le type de document et tout ça, la recherche avancée va vous permettre de, du coup, vous simplifier votre équation. La page d'accueil de LISA est très simple, vous aurez le gros logo en haut et après un champ de recherche type Google. Ça ne s'interroge pas comme Google, mais ça se présente pareil. Et juste en dessous, vous avez la recherche avancée. La recherche avancée se présente comme ça. Donc, vous avez des champs ici que vous pouvez multiplier à l'infini. Vous avez la possibilité de choisir titre, mot-clé, résumé, l'année, l'auteur, le journal, la page que vous voulez, le numéro que vous voulez, l'affiliation ou la spécialité. Et puis après, là, vous pouvez mettre du coup vos mots-clés. Et c'est pareil, vous pouvez les multiplier. Donc si, comme moi, vous faites une recherche sur la drépanocytose, vous pouvez mettre drépanocytose ou très drépanocytaire ou etc., etc. Et donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça m'intéresse aussi les maladies de la peau. Du coup, je ne vais pas juste me limiter à maladies de la peau, je vais mettre dermatologie et puis je peux aller infection cutanée, etc., etc. Et puis, du coup, j'ai décidé de filtrer par année pour avoir des choses assez récentes. L'affichage des résultats se présente comme ça. Donc, sur la gauche, vous avez le récapitulatif de votre recherche. Donc, vous avez écrit des trucs simples, mais lui, il vous a fait tout un charabia avec plein de parenthèses et plein de trucs très jolis. Vous avez la possibilité aussi de filtrer. On y reviendra après. Là, vous avez les résultats. Donc, j'ai 17 résultats. Je me dis que c'est plutôt une bonne recherche. Après, vous avez les titres des articles. Donc là, tous les articles qui sont proposés. Vous avez la possibilité de trier par pertinence, par date, par auteur et par prototype. Je vous avouerai que par prototype, je ne l'ai jamais fait. En général, je filtre par date pour avoir les articles les plus récents en haut. Vous avez la possibilité aussi, si vous avez un compte, de vous créer une alerte. L'alerte, c'est quelque chose pour les gens efficaces ou feignants, comme vous voulez. Cette recherche vous plaît, ça vous intéresse, c'est votre sujet pour votre recherche que vous voulez suivre, voir s'il y a des articles récents qui vont sortir, vous créez une alerte grâce à votre compte. Et du coup, tous les lundis, vous recevez la mise à jour des articles qui ont été rajoutés à LISA. De la veille simple et efficace. Donc, je décompose l'affichage du résultat. En haut, vous avez le titre, suivi des auteurs, le titre de la revue, l'année, le numéro, la pagination. Là, vous avez le type de document et la catégorie. Donc là, on voit que c'est une étude multicentrique. Et entouré là-bas, on voit que c'est l'accès restreint. Ça veut dire que c'est conditionné par un abonnement. Si votre institution a l'abonnement, vous cliquerez sur le lien qui est présent sur la fiche de l'article et vous aurez l'article. Si ce n'est pas le cas, vous ferez appel à la charmante ou au charmante documentaliste qui travaille dans votre établissement et il essaiera de vous trouver l'article. Si vous faites partie d'une université, on verra tout à l'heure que vous avez la possibilité d'utiliser les accès de l'université. Pour avoir accès à l'article, vous cliquez sur le titre. Je vous parlais des filtres tout à l'heure, donc vous avez la possibilité de filtrer les résultats de la recherche. Pour LISA, vous pouvez filtrer par type de publication. Donc là, on voit qu'il y a articles de périodique, présentation de cas, lettres, études multicentriques, accès à la ressource. Donc, vous pouvez dire que vous ne voulez que les ressources gratuites, ce qui, du coup, va beaucoup réduire. Vous pouvez choisir avec ou sans résumé, parce que toutes les notices n'ont pas de résumé. L'année de parution, l'origine de la revue, la source de la notice et les mots-clés. Donc, voilà comment se présente notre notice pour notre article sur la drépanocytose et les maladies de la peau. En haut, vous avez le titre, les auteurs, l'affiliation,
donc l'institution où travaillent les auteurs, l'année de parution, le nom de la revue et le DOI. Est-ce que tout le monde sait à quoi correspond le DOI? Non. Le DOI, c'est un numéro, en gros, comme le numéro de sécurité sociale de l'article. Vous mettez ce numéro dans Google, il vous ressort l'article. Ça vous permet, c'est un numéro unique, chaque article a un DOI. Vous avez après le résumé, les mots-clés, l'éditeur et la provenance de la notice. Donc là, on le voit en détail. En bas, vous voyez que vous avez des mots-clés auteurs. Ça, c'est du langage libre. C'est l'auteur qui a déterminé que son article parlait de ça. Ce n'est pas des mots donnés par des documentalistes qui viennent d'un thésaurus. Là, c'est vraiment l'auteur qui a dit ben, « mon article, il parle d'ulcères de jambes, de drépanocytose, de Dakar, etc. etc. » Après, vous avez l'indexation. Donc là, c'est des termes mèches. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez rebondir du coup si vous vous rendez compte qu'il y a un des termes qui vous intéresse et avoir d'autres articles avec les mots-clés en question. Vous avez la source de publication, donc là on voit que c'est un article qui vient d'Elsevier, donc soit de M-Premium, soit de Sciences Directes, soit de... Et vous avez la source de la notice, donc là on voit que la notice a été rapatriée de PubMed. Sur la droite de l'écran, vous avez les accès. Donc, si vous avez l'abonnement, vous cliquez dessus, vous avez l'article. Vous avez les autres référencements de l'article. Donc là, on voit qu'il est disponible dans Google Scholar, il est disponible sur le site de l'éditeur et il est disponible dans WordCat, un catalogue bibliographique international. Et si vous êtes feignant et que vous n'aimez pas faire la bibliographie, vous avez aussi la référence bibliographique qui est à la norme Vancouver, qui est la norme la plus utilisée pour les référencement d'articles médicaux. En gros, là, vous faites une bibliographie, vous copiez-collez dans votre article et vous avez la source sans rien avoir d'autre à faire. C'est plutôt pas mal. Au niveau des accès, donc, si votre institution a l'abonnement, vous cliquez, vous avez l'article. S'ils n'ont pas accès, vous avez la possibilité, si vous faites un DU ou si vous avez l'intention de devenir IPA ou autre, vous êtes rattaché à une université, vous pouvez sélectionner du coup dans la liste l'institution à laquelle vous êtes rattaché. Moi par exemple, dans le cadre de la formation IFSI qui sont données sur mon GHT, je suis affiliée à l'Université Paris Diderot. Du coup, si je clique dessus, hop, j'ai directement l'article qui est là. Je peux cliquer sur le PDF et je peux le lire tranquillement de chez moi, sans être à l'hôpital, sans avoir besoin de personne. C'est plutôt pas mal. Autre chose à savoir qui peut être intéressant, il existe des licences nationales. Ces licences nationales, en gros, c'est des archives des éditeurs qui sont ouvertes aux institutions qui font de la recherche. C'est symbolisé par ce logo ISTEX. Et du coup, si votre établissement est abonné aux licences nationales, c'est quelque chose de gratuit, mais il faut avoir un établissement qui fait de la recherche, vous cliquez dessus et vous avez directement l'article sans rien faire. Jusqu'ici, tout va bien? Oui? Je ne vous ai pas endormi, ça va. On va passer à PubMed. Il me reste combien? 10 minutes. 10 minutes. Oh, c'est mieux que tout à l'heure où j'avais plus que 2 minutes. Donc, on va d'abord voir les mots-clés. Les mots-clés sont très importants dans PubMed. Alors, il y a... les deux tutoriels dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont assez conséquents. J'ai 10 minutes pour vous en parler, donc vous vous doutez que ça ne va pas être vraiment exhaustif. Moi, je vais vous montrer comment j'interroge la plupart du temps PubMed. C'est quand même assez efficace. Donc, pour les mots-clés, bien sûr, PubMed, c'est une base de données en anglais, donc on ne va pas en interroger avec nos mots-clés à nous. Ils ont un thésaurus, donc il faut utiliser les mots de ce thésaurus, et c'est des mots en anglais. Je présume tous que vous ne connaissez pas le thésaurus de PubMed par cœur et que vous ne parlez pas tous anglais. Donc, il y a un outil qui existe, qui s'appelle ETOP, qui est fait par nos amis du SysMef, donc j'arrête pas de vous parler tout à l'heure, ceux qui font l'ISA et autres. Et du coup, cet outil va vous permettre de traduire vos mots à vous en mots-clés du thésaurus de PubMed. Si je tape drépanocytose, alors je ne suis pas certaine que vous voyez bien,
Ici, il va me dire que le mot-clé utilisé dans PubMed, c'est drépanocytose. Juste en dessous, il va me dire que le mot-clé mèche, donc le mot-clé du thésaurus PubMed, c'est anémia silk cell, et que vous avez plein de synonymes qui vous permettront de rebondir. Et du coup, c'est le mot avec le petit drapeau anglais qu'il faudra utiliser pour votre recherche. Alors, vous regarderez tranquillement sur la présentation, parce que là, du coup, c'est un peu flou. Ne vous faites pas mal aux yeux. Vous avez juste à me croire. Je ne dis que des trucs intéressants et vrais. Donc, sur PubMed, vous avez la possibilité de faire des équations. Je vais vous montrer comment après, mais toujours le SysMef, ils ont décidé de vous simplifier la vie. Et du coup, il existe un petit outil qui s'appelle le constructeur de requêtes bibliographiques médicales. En gros, vous tapez votre petit mot-clé en haut, en français. Il va vous le sélectionner dans la liste. Il va vous le mettre ici dans l'ajouter à la requête. Hop, vous lui dites si vous voulez que ce soit un et, un ou un sauf. Et après, vous sélectionnez votre deuxième mot-clé, etc., etc. Et vous construisez votre équation de recherche. Quand vous arrivez après sur PubMed, vous copiez-collez cette équation. Et du coup, vous n'avez plus rien d'autre à faire. J'ai testé, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour débuter, ça peut être une piste. Vous avez le lien également. Donc, comme toutes les bases de données, PubMed, je vous encourage de l'interroger avec la recherche avancée. Vous arriverez sur la page d'accueil. En haut, vous aurez ce magnifique bandeau très, très joli. Vous cliquez sur « Advance ». Et du coup, ça va vous ouvrir la recherche avancée qui se présente comme ça. Donc là, en gros, quand vous rajoutez des choses, ça va s'alimenter tout seul ici. Vous ne vous en occupez pas. Vous allez ici et vous allez devoir choisir les champs et les mots-clés que vous voulez mettre. Donc moi, je vous ai dit, c'est plutôt pas mal. On interroge avec les mots du thésaurus, donc les mots mèche. Et du coup, vous choisissez mèche terme, et vous lui dites si vous voulez que ce soit ou, et sauf, les petits booléens qu'on a vus tout à l'heure. Du coup, hop, j'ai fait ma recherche dans Etop. J'ai vu que mes mots-clés, c'était silk disease infection, ou silk disease, ou anémia silk cell, ou, je dis n'importe quoi, silk cell tree. Je vais y arriver. C'est pas super en anglais, mais c'est pas grave, vous avez compris. Du coup, je mets mes petits booléens pour construire mon équation et je lance ma recherche. Les résultats arrivent ici. Je vois que j'ai 30 résultats. Je me dis que mon équation, elle n'est pas trop mauvaise. Je n'ai pas trop de bruit, je n'ai pas de silence. Je suis contente. Du coup, sur la gauche, vous aurez les filtres. Là-bas, vous avez la possibilité, vous verrez sur la diapo d'après, de vous envoyer la bibliographie de votre recherche. Là, vous avez le titre, les auteurs, le nom de la revue, la date, le numéro, la pagination, le DOI. On vous dit même qu'il y a un résumé disponible. Et vous avez le PMID, qui est du coup le numéro de sécurité sociale de l'article dans PubMed. Même principe que le DOI, vous copiez-collez ça dans Google, il vous ressort l'article. C'est plutôt pas mal. Donc, on voit toutes les informations. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, le send to, vous avez la possibilité, en fait, au lieu de faire du copier-coller moche, si la recherche vous intéresse ou si vous voulez sélectionner quelques articles, vous avez la possibilité de vous l'envoyer par mail ou de le mettre dans votre collection, dans My Library et tout ça et tout ça. Vous l'envoyez par mail, c'est plutôt pas mal, ça ne demande rien de plus à faire. Vous cliquez, vous vous envoyez. Si vous voulez l'ajouter à votre bibliographie, si vous voulez le mettre à vos collections, si vous voulez vous créer une alerte de parution là-haut, je vous encourage fortement, si vous faites souvent des recherches sur PubMed, de vous créer un compte PubMed, donc c'est MyNCBA, qui vous permettra de faire tout ça et de faire encore plus de choses parce que vous pourrez faire des bibliographies en un clic. Bon allez, trois. Tout ça, c'est expliqué dans les tutoriels de la BIOS que je vous ai mis un peu avant. Ça va ? Vous avez le droit de dire non. Au niveau des filtres, donc vous pouvez filtrer par typologie de documents. Vous pouvez filtrer par type d'accès, si vous voulez uniquement des ressources gratuites
ou si vous voulez tout. Vous pouvez filtrer par date de parution et vous pouvez même personnaliser les filtres. Vous pouvez choisir le sexe de la population, vous pouvez choisir l'âge de la population, vous pouvez choisir plein de choses. À vous de le paramétrer. Et après, vous pouvez personnaliser ces filtres. Donc, une notice PubMed, ça se présente comme ça. En haut, vous avez le titre, vous avez la date, la référence de la revue, la pagination. Vous avez le titre de l'article, les auteurs. Là, vous avez l'affiliation, donc l'établissement à laquelle ils appartiennent. Ici, vous avez le PMID, le DOI. Là, apparaîtra la typologie de document. Ici, vous aurez tous les mots-clés mèches qui ont été utilisés. Là, vous avez une sélection d'articles similaires. Du coup, ça peut être pas mal pour rebondir. C'est des articles qui parlent potentiellement du même sujet. Donc, ça peut vous intéresser. Et tout en haut, vous avez le lien vers la ressource numérique. Donc, tout ça, bien entendu, est conditionné par les abonnements de votre institution. Donc, le fameux lien. Ce qui est bien dans PubMed, c'est qu'il y a quand même pas mal de revues et d'articles qui sont gratuits. Donc, vous avez celui-ci qui est le plus connu, le PMC Free. Qui, vous cliquez dessus, vous avez l'article, vous n'avez rien à faire. Je vous en ai mis un autre exemple, où il y a écrit Open Access. Donc là, c'est pareil, vous n'avez rien à faire. Et comme ça, vous avez directement l'article. Si vous n'avez pas tout suivi, si vous vous êtes endormi, si vous avez des questions, s'il y a tellement de bases de données que vous ne savez plus comment faire, vous avez Doc2Bib. Donc, c'est une chaîne YouTube faite par un médecin et des documentalistes en santé. Ce médecin s'est rendu compte que la recherche, c'était plutôt pas mal. La recherche documentaire, c'était bien, mais pas si simple que ça. Et du coup, avec des documentalistes, ils ont fait plein de tutos. Donc, ils ont fait des tutos pour LISA. Ils en ont fait un nombre considérable pour PubMed. Donc, c'est des petites vidéos courtes qui vous apprennent à vous servir des différents outils. Vous avez des tutos aussi pour Zotero, qui est une petite application qui vous permet de faire des bibliographies assez facilement. Et tout ça est disponible gratuitement. Donc, vous avez le lien. Et ça, c'est à consommer sans modération. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez réfléchi à des questions pour Dominique ? Si vous avez des remords, vous avez notre adresse mail. Si vous avez des questions autres sur où trouver telle revue, comment faire pour la recherche documentaire, un point que vous n'avez pas compris et vous avez envie de nous le partager, vos interrogations, vous avez nos adresses mail. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.